C'était le 24 août 2013. Un certain samedi, entre 8h et 9h, tout d'un coup, on a senti une forte détonation. Ce que j'avais vu, c'était horrible. Notre grande sœur, elle s'appelait Déborah. Quand tout d'un coup, la bombe a éclaté et c'était la fin pour elle. Huit ans après, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'enquête. Et pourtant, les vrais commanditaires sont là. Devant la justice, il y a une corruption déjà. Parce que la plupart des auteurs ont un niveau élevé par rapport aux victimes. Donc, facilement, l'auteur corrompt la justice. Vous savez, lorsqu'il y a l'impunité, les auteurs des crimes ne sont pas punis. Ça favorise ou ça encourage les autres à emboîter les pas de commettre les crimes parce qu'ils ont vu que les autres n'étaient pas punis. La justice formelle organisée par l'État dans le contexte qui est le nôtre n'est pas adaptée. Il faut absolument une justice informelle. La Barza intercommunautaire, un cadre approprié pour faire ça. Le Baraza travaille pour prévenir, gérer et résoudre les conflits. Alors, les avantages de saisir le Baraza. Premier avantage, les communautés et ses membres ont confiance au Baraza parce que c'est constitué de sages qui proviennent de toutes les communautés. Deuxième avantage, il n'y a pas de frais qu'on demande aux parties en conflit. Troisième avantage, c'est que les gens s'expriment en langue locale et fondamentalement en kiswahili. Quatrième avantage, c'est que les méandres de la justice, les longues procédures ne sont pas de mise au sein des Baraza. Il y a lieu que les sages trouvent des solutions immédiatement qui puissent arranger les belligérants et ces solutions-là, acceptées des communs accords amène au sein de la communauté la réconciliation. En 2021, le mois de mars, le mouvement citoyen Mutsanga, assimilé à la communauté Nandé, avait organisé des manifestations pour demander le départ de la MONUSCO. Et un motard qui était assimilé à un membre de la communauté Kumu avait trouvé la mort. Et le jeune Koumou qui était là n'ont pas digéré ces actes. Ils ont dit non, non. Alors nous allons nous venger. Et en se vengeant maintenant, voilà, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, de part et d'autre, de la communauté Nandé, de la communauté Koumou. Les maisons ont été incendiées et tous les désordres qui s'en ont suivi. Le Baraza d'Awazé nous a mis ensemble et nous avons ouvert des pourparlers. Nous sommes arrivés à rétablir la confiance, mais aussi à arrêter ce mouvement de troubles. Et aujourd'hui, les gens, maintenant, sont en train de vivre en paix. Actuellement, la confiance est en train de se rétablir. La cohésion sociale est vraiment le résultat le plus important et cela fait différence avec la justice classique. Ceux qui ont été dans une structure de médiation reviennent dans la joie. La preuve, c'est qu'à l'issue d'une séance de médiation, les deux parties jadis divisées se serrent la main. Parfois, ils partagent même un verre ensemble pour dire, voilà, nous avons atterré cette situation et que nous repartons sur une nouvelle base de cohésion sociale plus durable. C'était un problème de sang que l'autre partie voulait nous ravir. Et là, après comparution, la solution qui avait commencé par la Caritas, c'était un arrangement à l'amiable. On avait demandé à l'autre partie, comme ils ne voulaient pas quitter notre champ, de remplacer la partie qu'elle occupe par un autre champ. L'autre, ce métier avait commencé par accepter. Mais après le temps, quand il avait vu que lui, il est fort physiquement, il avait de l'argent, c'est ainsi qu'il est parti maintenant au niveau du groupement. Sinon, il avait accepté même de nous donner un autre champ en remplacement de l'autre champ qu'il occupait. Si c'était comme ça, ça nous arrangerait sans problème. Parce qu'on n'aurait pas perdu tout ce qu'on a perdu, parce que la comparaison des 17 ans, nous avons perdu beaucoup de choses.
Nous sommes allés même au-delà. La procédure au niveau de la justice, elle est longue et coûteuse, alors que l'arrangement l'amiable, en tout cas, facilite les choses sans problème. Avec les expériences que nous avons accumulées au fil des temps, le travail de la commission justice et paix est un travail qui est reconnu par les juridictions, même au niveau des tribunaux de grande instance. Certaines juridictions prennent à compte le travail que nous faisons et surtout les conclusions auxquelles nous aboutissons quand nous avons organisé des séances de médiation. Les avantages de la justice informelle sont si énormes, de sorte qu'elle est la plus appropriée dans les conditions où vivent nos victimes, dans la situation actuelle du pays, dans les conditions de pauvreté suffisamment accélérées par des pillages, par des tortures psychologiques et physiques qu'elles subissent au quotidien, de par des groupes armés qui pullulent partout dans nos villages et dans nos villes.